Ah ah. Ah ah. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, incroyable! Ah ah. Tu déconnes? C'est scandaleux! Qu'est-ce qui ne va pas, Samy? Pourquoi es-tu si en colère? En colère? Je suis submergée par l'indignation! C'est totalement scandaleux! Oh, que s'est-il passé? Qui t'a appelé? C'était mon ami Freddy. Tu ne vas pas le croire. On avait prévu d'aller au concert de Billie Eilish ce soir, mais il est complet! Il n'y a plus de billets! Eh bien, à quoi tu t'attendais? Elle est méga populaire après tout! Mais Suzy, c'est pas juste! Je voulais... J'espérais la voir pour prendre une photo avec elle! Puisque tu ne vas nulle part, ce ne sera pas la même chose que d'aller à un concert, bien sûr. Mais j'ai une idée. Laquelle? Tu, où vas-tu? Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons transformer cette poupée Barbie en la célèbre chanteuse Billie Eilish. Nous avons déjà l'expérience de transformer des poupées en différents personnages. Vous pouvez aller voir notre chaîne si vous aimez ce genre de vidéos. Nous allons commencer par faire la queue de cheval afin qu'il soit plus facile de couper les cheveux de la poupée. Et voilà! Et vous pouvez vous abonner à notre chaîne et appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, Suzy. Merci, Samy. Notre première étape sera de nous débarrasser de ses cheveux blonds. Attention. Sam et moi avons convenu de faire la célèbre coiffure verte et noire de Billie pour cette poupée. Ça va être génial. Je crois que je vais aller les brosser parce qu'on aura besoin de ses cheveux. Plus tard. Comme c'est gentil de ta part, Samy. Ok. Tous les cheveux sont partis! Maintenant, nous pouvons commencer à faire les nouveaux. On doit s'assurer que ce film alimentaire soit bien pressé. Nous allons avoir besoin de tissu humide comme couche suivante. Il doit aussi être très serré. Utilisons l'élastique pour fixer le tout. Comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Su? De quoi j'ai l'air? Tu veux changer ta coiffure, Samy? Tu es superbe! C'était juste une blague. Je suis parfait comme je suis. Et comment ça se passe avec ta perruque, hein? Nous avons presque fini avec la base. Les amis, appliquez soigneusement de la colle blanche de bricolage sur la ligne de pousse des cheveux. Samy, tu peux mettre ça quelque part pour que ça sèche? Carrément, compte sur moi. Super. En attendant, on va s'occuper des nouveaux cheveux. C'est bien que Sam les ait brossés. Les amis, surtout, mettez quelque chose sous les cheveux pour ne pas salir la table pendant que vous l'éteignez. J'ai mélangé ça pour toi, Su. Cette poupée Billie Eilish devrait avoir une couleur de cheveux parfaitement verte. Oh, c'est si gentil de ta part. Donnez à ce fan de Billie un pouce levé. Mais ses cheveux devraient aussi être noirs et c'est pourquoi nous avons préparé la teinture noire. Commençons par le vert. Tu peux utiliser un pinceau ordinaire. Hey! Cette couleur me rappelle les épinards. Ça me donne même un peu faim. Fais attention, comme ça. Il n'y a rien de drôle avec les épinards, Su. Popeye le marin en mangeait tout le temps et il était super fort et en excellente santé. Et toi, Sam le slime, tu en manges souvent? Eh bien, je suis naturellement fort. Regarde ça. Laisse tomber. Oh, Samy. Les gars, on a fini avec la couleur verte. Maintenant, il est temps de se tourner vers le côté obscur. Oh, je comprends pourquoi Billie a choisi cette palette. J'aime comme ces deux couleurs se marient. Les gars, c'est vraiment super! Maintenant, nous devons laisser les cheveux sécher correctement pour pouvoir continuer. En attendant, regardons la base de notre perruque. Ok, cette chose est assez dure. Cela signifie qu'il est temps de tracer le contour de la perruque. I am the bad guy! Hey, Su, tu sais combien de récompenses a eu ce single? Non, Samy, mais j'ai le sentiment que tu vas m'en parler. Cette récompense, Su, tu peux imaginer? L'année dernière, elle a même été reconnue comme la meilleure chanson du monde! Waouh! Rien que ça! Tu vois ce petit chapeau? Il est sur le point de devenir une perruque géniale. Remettons-le sur la tête de notre poupée. Comme ça. Maintenant, un petit tour. Hop!
et sa coiffure Suzy. Le grand maître de la coiffure Sam est là pour nous aider. Bien, grand maître, j'écoute vos idées. Ah, pour commencer, elle aura besoin d'une raie droite au milieu. Ouais, comme ceci. Très bien. Au fait, les gars, vous devriez travailler avec des cheveux fins. De cette façon, les cheveux auront l'air plus naturels. Je vois que tu apprends vite. Bien joué, Suzy. J'ai eu un excellent professeur. Et maintenant, nous allons avoir besoin de ça. Oh non, tu vas coudre ses cheveux? Eh bien, en quelque sorte, cette coiffure va être vraiment petite et le fil va nous aider à la fixer. Quelques points de suture. Faites attention avec l'aiguille, les amis. C'est une approche intéressante pour une coiffure. On en apprend tous les jours. Donc, nous avons fini avec le premier chignon. Il est déjà très beau, pas vrai, les gars? Et hop! Tadam! Le deuxième chignon est aussi là. Ah, j'aimerais ajouter un petit quelque chose, Suzy. Ça va ici. Génial! On va lui laver les cheveux maintenant. Bam! Ça a l'air bien! On a fait du bon boulot! Passons à l'étape suivante. Hé, hey Suzy, j'ai réfléchi. Le visage de Barbie ne ressemble pas exactement à celui de Billy. Ouais, Sammy, c'est pourquoi j'ai décidé que nous devrions dessiner ce nouveau visage à partir de zéro. Regarde ça. Ah, les grands esprits se rencontrent, hein? C'est vrai? Commençons par les yeux. Eh bien, jusqu'à présent, elle ne ressemble pas beaucoup à Billie Eilish. Oh, je sais, Sammy, mais le maquillage fait des miracles. Ou dans notre cas, des crayons de couleur feront l'affaire. Dessinons un maquillage de soirée. Billy n'utilise normalement pas beaucoup de cosmétiques, pour autant que je sache. Donc on va lui faire quelque chose d'assez neutre. C'est marrant, d'habitude il faut plus de temps et d'efforts pour un rendu naturel que pour un maquillage flashy. Génial! Mais ajoutons-y un peu de luminosité. C'est beaucoup mieux! Je me suis rendu compte que j'étais trop excitée par ce projet et que j'avais hâte de voir ce que ça donnerait. Donc j'ai besoin de me calmer ou de me distraire. Si tu veux finir plus vite, tu pourrais peut-être m'aider. Pourquoi ne vas-tu pas réfléchir à la tenue de notre Billie Eilish pendant que je finis ici? Excellente idée, Su! Je suis sur le coup! Maintenant, ajoutons un peu de lumière à son visage et nous aurons terminé. Si, j'ai trouvé quelque chose en faisant les chanches de sa tenue. Je pense que ça pourrait être utile. Waouh! Ses lèvres et ses yeux ont besoin d'un peu plus de brillance aussi. Et j'ai trouvé la matière parfaite. Ce t-shirt a rétréci après le lavage de toute façon. Mais heureusement, il va être utile. Les amis, si vous voulez aussi utiliser de vieux vêtements pour cette activité, assurez-vous de demander à vos parents avant de le faire. Ouais, une fois j'ai pris le haut dessus comme ça. Oups, elle ne le sait pas encore. Je sais tout, Sammy. Hop, c'est fait. Voici le résultat. Il ne nous reste plus qu'à coudre ces pièces ensemble. Magique! Waouh, les gars! Cette tenue est vraiment très mignonne! On a même un bouton ici. Génial! Mais je sais comment la rendre encore mieux! Youpi! Maintenant, regarde ça, Suzy! C'est beaucoup mieux! Mini Billy, tu es fantastique! Oh, il manque quelque chose dans son look! Ah, je sais! Sam, où vas-tu? Oh, je n'ai même pas eu le temps de mentionner que nous avions quelques accessoires pour notre poupée. Ça va être génial!
J'ai aussi fait ses anneaux et ses petites boucles d'oreilles. Pas besoin qu'ils soient identiques, hein. Samy, on ne peut pas laisser Billy rester pieds nus. Bien sûr que non. Alors j'ai apporté ses baskets. Ah ah, voilà. Génial, hein. Waouh, elles sont super géniales. Regardez ces chaussures en cuir, les gars. Maintenant, on va avoir besoin de ça. On va faire de beaux ongles. Les gars, faites attention avec la colle chaude. Si, tu as décidé de lui faire des ongles longs. Je vais chercher le vernis. Ok, ça c'est fait. Nous aurons besoin... Si, regarde ça, il lui ira à merveille. Waouh, Samy! Cette couleur s'accorde parfaitement avec sa tenue. Mais fais attention avec le vernis pour ne pas faire de dégâts. Et aucun chanteur ne peut se passer d'un micro. C'est mon boulot. Waouh, les gars, regardez ce micro que ça m'a fait. Mesdames et messieurs, je vous présente Billie Eilish. Samy, un peu plus loin. Comme ça? Non, non, un peu plus loin. Comme ça? Beaucoup mieux. Maintenant, un peu plus près. Super. Et on dit cheese. Le rêve de Sam est devenu réalité. Les gars, merci d'être avec nous aujourd'hui. À bientôt. Bye bye. Salut les gars. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Thank you.